Facilement. Mais très bientôt, c'est vous que personne ne retrouvera. Oui, oui. Joli. C'est la somme exacte. Vous comprenez que je ne peux pas être payé par les compagnies d'assurance. Alors, on commence. Vous venez ou quoi? Quelques heures. Vous allez beaucoup souffrir. Ça, j'en ai peur. J'ai tout ce qu'il me faut, mais je fais un peu à corps d'anesthésie. Restez tranquille. Lâchez-moi. Vous ne trouverez pas meilleur chirurgien. Vous serez un homme transformé, différent, mais tout à fait normal. Mais je veux que vous restiez aussi immobile que possible.
Écoutez, c'est chez moi ici, c'est pas un hôtel. On n'a jamais convenu que vous restiez jusqu'à ce que vous soyez guéri. J'ai pas l'intention de vous supporter plus longtemps. Ça, mon père. Mettez ça là, monsieur Thompson. Dites-moi pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Je t'en prie, quitte. Faire le lapin de Pâques, c'est excellent pour l'âme. Hein? Et suer à mort, c'est aussi bon pour l'âme? Oh, t'as vraiment pas à te plaindre. Je t'ai accordé la journée de congé pour faire ça. Je peux te remettre au piqué à l'appel, si tu préfères. J'espère au moins qu'ils ne seront pas déçus. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, fais-moi confiance. Tâche d'être là à 7h demain matin. On a une douzaine de palmiers à planter, tu sais, pour la banque. Eh bien, j'y serai. Sois sobre, surtout. Monsieur Thompson, je ne bois jamais, vous savez. Ouais. Mon père, j'aurais besoin d'une signature juste là, en bas. Tenez. Je vous remercie de nous prêter qui pour la journée. Si au moins t'étais une lapine. Mais... Désolé, mon père. Fais pas attention. Il se croit drôle. Voilà, et maintenant la partie la plus facile. Tu sautes d'un enfant à l'autre en distribuant les friandises. Sauter? Le saut est optionnel. T'es pas obligé si jamais tu n'en as pas envie.
fun, c'est drôle. Bonjour, ça va? Joyeuse Pâques. Voilà, mon fils. Merci. Bien, voilà pour toi. Bien pour les enfants. T'en veux un? Voilà. Joyeuse Pâques. Tu prends ou quoi? Je lui donnais ça. Oh, ça c'est pour toi. Allez, dis-lui merci, Andy. Merci. Joyeuse Pâques. T'as une oreille qui penche. Andy. Oh, mais c'est vrai. Non, mais laissez-moi faire. Eh bien, je vous remercie au nom de tous les lapins de Pâques du monde, c'est gentil. Je m'appelle Kid Grant et j'ai peur que ce soit une cause perdue. Et moi, Christine Davis, et je dois dire que je vous trouve adorable. La strangulation ou le poison? Sûrement le poison. D'accord. Alors je dis que c'est avec le poignard qu'on l'a tué. Mmh. Et vous croyez que c'est qui? Le maître d'hôtel, le jardinier ou le chauffeur? Le maître d'hôtel. D'accord, alors je dis le jardinier. Impossible. Très bien, ce soir je vais voir ce que mon computective en dit. D'accord. N'oubliez pas que c'est le perdant qui paie. Une crème chez Frosties. De là, qu'est-ce que tu attends? Quoi? Comment je devrais m'y prendre? Tu mets un pied devant l'autre. Non. Christine Davis, c'est quand la dernière fois qu'un homme aussi séduisant et aussi gentil a mis le pied dans notre ville? Au moins 3 mois quand Marc a emménagé et nous savons tous l'énorme flop que ça a fait. J'avoue qu'en ce qui concerne les hommes, je ne suis pas brillante. C'est du passé tout ça. Alors dépêche-toi et profite que tes hormones sont encore jeunes. Je t'en prie. Écoute, j'ai vu la façon dont vous vous regardiez cet après-midi. On ne s'est pas du tout regardé de façon... D'après toi, il est marié. Vaudrait mieux que tu t'en assures. Et rappelle-toi, s'il ne l'est pas, les lapins, en principe, sont très fertiles. Permise, voyons. En général, pas quand il est de service, mais dans ce cas-ci, le lapin en sera honoré. Allons-y. Hé, regarde ça. C'est drôle, n'est-ce pas? Je trouve que cette ville est très jolie et tout le monde est vraiment très gentil. C'est un endroit paisible et Andy et moi, on est bien ici. Vous vivez seule avec votre fils? Depuis plus de 2 ans déjà. Alors, dites-moi, vous êtes mariée? Non, pas encore, mais je vous permettez une seconde? Oui, bien sûr. Vous êtes très belle ce soir. Désolée d'être en retard. Salut, Marc. Excuse-moi, Christine, je suis vraiment désolé, j'ai travaillé tard. Tu sais que je fais ça pour toi et pour Andy. Je t'en prie, Christine, je fais des efforts. Tout ce que je te demande, c'est une autre chance. Une chance pour qu'on soit bien tous les deux. Qu'on forme une famille. Chance, we go again. It's time.
pas des chandelles, maman. T'as dit que c'était juste un petit dîner. C'est bien ce que j'ai dit, alors ne commence pas à te moquer de moi. De quoi j'ai l'air? Très jolie, maman, tu es très jolie. Oh, mon Dieu, j'ai oublié d'assaisonner le bœuf braisé. Écoute, tu l'as déjà assaisonné au moins 10 fois. Si tu le fais trop attendre, il va s'en aller. Mais... Andy, ne sois pas si serviable. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez trouvé? Ça a été facile, c'est la plus jolie maison du pâté, alors. Vous avez dit que vous étiez agent d'immeuble? Bon sang, on peut dire qu'il ne laisse rien échapper. C'est vrai, j'ai fait ça aussi, même que j'étais excellent. Et vous faisiez ça où? À Charleston. Mm-hmm. C'est en Caroline du Sud? C'est exact. De toute façon, j'en avais marre d'avoir à courir tout le temps. Mm-hmm. Et j'aime surtout le travail manuel, du genre planter des arbres, bâtir des choses. Monsieur Thompson a été assez gentil pour m'embaucher et c'est un boulot où on est au grand air et ça me plaît énormément ici. Deerview est un endroit merveilleux. Si on aime les cimetières. Andy. Mais quoi? Eh bien, c'est plutôt ennuyant ici. Je pense que, plus tard, je pense que je vais déménager à Chicago ou New York ou... Andy, la plupart des gens des grandes villes sont loin d'être aussi gentils qu'ici. Ce n'est pas là-bas qu'on se ferait inviter à manger un repas fait maison. C'est vrai? C'est pas dans ces villes que Bugs Bunny serait invité à manger. J'ai toujours adoré faire ça quand j'avais ton âge. T'en as déjà monté un, Andy? Je suis pas très fort sur les modèles réduits et les enquêtes par ordinateur. Ça, c'est ma spécialité. Quoi? Tu veux dire comme Sherlock Holmes ou Agatha Christie? Eh bien, si on veut, j'ai un programme qui propose différentes énigmes. Il faut trouver qui est le meurtrier, comment il l'a tué et le motif du crime. Ça a l'air fascinant. Tu pourras me montrer ça, comment ça marche un jour? Entendu. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai passé une soirée merveilleuse et je voulais vous en remercier. Tout plaisir a été pour moi. On vient juste de les recevoir, je crois qu'elles vous plairont. Oh, merci, c'est gentil à vous. On peut dire qu'Andy a pas mal de réparties. Oh oui, parfois je me dis qu'il est trop brillant. Mademoiselle Davis. Juste une minute, Tiffany. Mademoiselle, s'il vous plaît. J'en ai pour une minute, Tiffany. Mademoiselle Davis, mais je ne peux plus attendre, faut que j'aille aux toilettes. Ah, merci, c'est bien qu'ils me le disent, Tiffany. Pardon, excusez-moi, je ne peux plus la faire attendre. Je vois que vous en avez plein les mains. Merci encore. De rien. Kit, vous aimez les pique-niques? Bien sûr. J'ai congé dimanche, alors. Génial. À dimanche, dans ce cas. Comptez sur moi. Christine, il faut qu'on se parle. Pas tout de suite, je suis occupée, Tiffany. T'as eu le temps de parler avec ce jardinier? Ce n'est pas un jardinier, et puis je ne vois pas de quoi on aurait à parler. Christine, je t'en prie, écoute. Chut. On se fréquente depuis 3 mois. Et maintenant, tu commences à voir quelqu'un d'autre? Ça ne marchait pas, et c'est pour ça que ça fait 2 semaines qu'on s'est quittés. Ça marchait très bien pour moi. Je pensais qu'on avait un avenir tous les deux. J'ai vraiment essayé d'être un vrai beau-père pour Andy. Eh bien, tu as peut-être trop essayé, Marc. C'est pas la peine, on a déjà parlé de tout ça, alors je te prierai de me laisser tranquille. On peut former une famille parfaite. Marc, laisse-moi tranquille, d'accord? Christine! Laisse tomber! Je suis amoureux! C'est fini entre nous. Eh bien, je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis longtemps. C'est un enfant formidable. Le modèle que je lui ai donné est trop facile, il l'a déjà presque terminé. Et ça fait longtemps, moi aussi, que je n'ai pas été si heureuse. Pourtant, vous le méritez. Comment c'est arrivé pour le fauteuil roulant? Eh bien, le père d'Andy et moi, on a divorcé il y a plus de 2 ans. Steve le prenait les fins de semaine. Et une fois, en venant prendre le petit, Steve et moi, on s'est disputés devant Andy pour une raison quelconque. Andy s'est mis à crier et à pleurer et s'est sauvé en courant dans la rue.
sans voir le tout. Je suis vraiment désolé. C'est très dur à prendre. Je veux dire, Candy en est très éprouvé. Il a l'air de bien surmonter son handicap, pourtant. Oui, il en a l'air. Mais c'est pas toute l'histoire. Il est resté en traitement plusieurs mois à l'hôpital et une douzaine de médecins l'ont examiné. Ils ont tous été d'accord pour dire qu'il devrait marcher, que du point de vue physique, il n'a rien. Les médecins n'ont rien trouvé. Ils croient que c'est psychosomatique, un genre de blocage. Il ne faut donc jamais perdre l'espoir qu'il puisse remarcher un jour. Je peux peut-être l'aider pour ça. Nous avons passé une très bonne journée. Andy, tu ne crois pas que tu devrais remercier Kit? Merci. J'ai passé une bonne journée aussi. On recommencera bientôt. Je crois que ce serait génial. Au revoir. Au revoir. Désolé, je vous ai fait sursauter. Ce n'est rien, je ne vous avais pas vu. Je peux vous aider? Peut-être bien, je suis Marc Reynald. On s'est vu à la danse de Pâques. J'habite dans le coin. Vous êtes nouveau en ville, je crois. Oui, je m'appelle Keith Grant. Si vous voulez m'excuser. Alors, que puis-je faire pour vous? Je pensais qu'on devrait faire connaissance, puisque nous sommes voisins. C'est un bel endroit, ici. Il y a beaucoup d'herbe, c'est jamais trop chaud. Beaucoup de tranquillité. Oui, j'aime beaucoup. Vous êtes propriétaire ou locataire? Marc, arrêtez de tourner autour du pot, voulez-vous? Vous avez raison. Je pense qu'il est temps maintenant d'avoir une bonne discussion au sujet d'une certaine Christine. Je vous écoute. Vous devez savoir qu'elle et moi, ça fait 3 mois qu'on se fréquente. Et j'aime énormément son fils Andy. Et on va se marier, on va former une famille, et je serai le beau-père d'Andy. Bizarre, elle ne m'en a rien dit jusqu'à maintenant. Elle est au courant de vos plans. Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Alors je vous conseille de ne plus vous approcher de Andy et Christine. Trouvez-vous une autre famille. Très bien, Marc, je comprends. Après tout, vous êtes arrivé le premier. Ouais, eh bien, vous voyez, les choses comme moi, et c'est très bien, alors sans rancune. On peut très bien être copains. Sans rancune. Je suis pas ton copain. Le Seigneur nous enseigne que la plus grande de toutes les vertus, c'est l'amour. C'est l'amour qui existe entre un homme et une femme. L'amour d'une mère pour son enfant. Il n'y a pas de plus grande joie aux yeux du Seigneur qu'une famille unie. C'est un cadeau qui nous est donné par le Tout-Puissant. Et ce cadeau doit être préservé. Bonjour. Alors, Andy, mon garçon, qui est le coupable? Le maître d'hôtel, le vilain chauffeur ou le jardinier? En fait, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur mon ordinateur. Pourquoi cela? J'ai hâte de savoir qui est le meurtrier. On a passé beaucoup de temps avec Kit.
On dirait que ça ne te fait pas très plaisir. Je pense que ma mère l'aime. Dis-moi, Andy, toi, tu l'aimes? C'est pas qu'il me déplaît, mais aussi je ne peux pas dire qu'il me plaît non plus. Je veux dire, je trouve qu'il n'est pas assez moderne. Mais ta maman l'aime bien, elle, c'est important. Il est sûrement très gentil avec elle. Oui, je sais, mais je trouve qu'il en fait trop. C'est un pédant. Laisse-lui une petite chance, il va peut-être te surprendre. Maintenant, reprenons notre enquête. C'est quoi, le poison ou la strangulation, hein? Pousse-toi de là. Au lit maintenant, Sherlock. J'ai pas fini encore. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je viens juste pour te border. Où est ma mère? Allez, hop. Hey, oh, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas besoin qu'on me porte. Ça y est, et voilà. T'as brossé tes dents déjà? Je peux le faire tout seul. Laisse-toi faire, petit, c'est pour t'aider. Faudra t'y habituer. Je peux le faire tout seul. Je sais, tu n'es plus un bébé. Tu t'es brossé les dents, oui ou non? Oui, ça y est. Très bien. Très bien. Ah, bonne nuit. Dors bien. Et tâche de passer une très bonne nuit. Maman? Andy, tu devrais déjà dormir. Je cherche le nouveau papier à imprimante. Il est à sa place sous ton bureau, comme il a toujours été. Je peux peut-être t'aider. Non, il peut le faire tout seul, Kit. De toute façon, Sherlock, c'est l'heure du couvre-feu, tu comprends? Bonne nuit, Andy. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'avoir un homme dans la maison. Ça se tassera avec le temps. Oh, j'espère que tu as raison, je m'inquiète beaucoup pour lui. Il y a juste un mois, je l'ai surpris à essayer de pénétrer dans les fichiers de la police qui portaient sur des cas de meurtre non résolus avec son ordinateur. Tu imagines mon fils un as de l'ordinateur? Faut être vraiment très brillant pour être un as. C'est un gentil petit, Christine. Je voudrais que tu restes avec moi cette nuit. Je le voudrais aussi, je le voudrais vraiment. Mais je dois rentrer. Pourquoi? Parce que je suis loin d'être le genre de gars qui profite de la situation. Je ne veux pas tirer avantage d'une mère célibataire, tu comprends? Je veux faire l'amour avec toi. Non, ce ne serait pas correct. On doit former une famille avant. Grant, est-ce que tu me demandes de t'épouser? Si c'est la bonne réponse que j'entends. Moi, je n'ai jamais rencontré un homme plus incroyable que toi. Est-ce que c'est oui? Tu vas m'épouser? Et vous, Christine Anne Davis, voulez-vous prendre Keith Grant comme légitime époux pour l'aimer et l'honorer? Voulez-vous le soutenir dans la joie comme dans la détresse, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Maintenant, prenez l'alliance.
Mettez-la au doigt de Christine et répétez après moi. Par cette alliance, je t'épouse. Par cette alliance, je t'épouse. Maintenant, par les pouvoirs qui me sont conférés, par Dieu et par l'État, j'ai l'honneur de vous déclarer mari et femme. Alors embrassez la mariée. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Madame et Monsieur Keith Grant. Père Brennan, c'était une merveilleuse cérémonie, je vous en prie. Mais de rien, voyons, c'est toujours un plaisir de voir des gens qui vont si bien ensemble. C'est dommage que vos proches et vos amis n'aient pu venir. Oui, eh bien, Louisville n'est pas la porte à côté et on s'est décidé si vite. Je croyais que vous veniez de Charleston. Non, j'ai passé mon enfance à Louisville et ma famille y habite toujours. J'étais à Charleston depuis quelques années, juste avant de déménager ici. J'ai un très bon ami qui vit à Charleston. J'étais au séminaire avec lui, le père Driscoll, vous le connaissez? Non, je ne crois pas. Voulez-vous m'excuser, mon père, Christine, m'a envoyé chercher du champagne et je ne veux pas la faire attendre, du moins le jour de notre mariage. Oui, bien sûr, on aura le temps d'en parler plus tard. J'ai dit à maman qu'il aurait dû attendre. Elle ne connaît absolument rien de lui. Écoute, Andy, je te suggère de garder tes soupçons et puis aussi tes investigations pour ton computective. Je ne crois pas qu'il serait temps d'aller dormir. Je t'ai apporté un peu de lait chaud. C'est bien drôle qu'une bébé 7 heures, non? Oh! Andy, mais c'est quoi ça? Je veux juste en connaître plus sur lui. Andy, tu vas trop loin. C'est une chose qui ne se fait pas, pénétrer ainsi dans sa vie. Il vous dit une chose et à moi, il en dit une autre. C'est drôle, non? Ce n'est pas juste pour Keith et c'est injuste envers ta mère. Qu'est-ce que tu penses trouver? Je veux savoir qui est vraiment mon beau-père, c'est tout. Je ne ferai jamais une telle chose, jeune homme. Ton imagination va trop loin et il est temps de dormir maintenant.
Je vous en prie, mon père. Non. Si jamais je fais ces appels interurbains, ma mère me tuera sûrement. Non. Et puis qui prendra un enfant au sérieux? Il faut que vous m'aidiez. Il n'en est pas question. Tout ça n'a aucun sens. Et maintenant, je veux que tu dormes. Une dizaine de coups de téléphone à peine. Après, on saura au moins s'il vient de Charleston ou Louisville. Et on pourra ainsi savoir s'il nous a menti. Je vous en prie, mon père, soyez gentil, aidez-moi. Eh bien, ce n'est pas une promesse. Mais si tu te couches tout de suite, je vais y réfléchir. D'accord. Oui. Allez, bonne. Merci. Dors bien. Oh, une dernière chose. Hmm? Quoi encore? Est-ce qu'il y a des gâteaux dans la cuisine? Ah, oh, espèce de petit schnappant, je vais te couper. Dors. Et bonne nuit. Avec Lauren Sutcliffe, notre reporter sur le terrain pour l'émission Crime Search USA. Ça va aujourd'hui, fiston? Hey, c'est mon émission, je la regarde toujours. T'as autre chose à faire que de rester planté devant le poste de télé. Tu devrais être dehors pour jouer avec les autres enfants. Je ne veux pas jouer dehors, je veux regarder la télévision. Andy, il y a plus de 2 semaines que je suis ton beau-père et je voudrais qu'on passe plus de temps ensemble. On y va. J'ai un jeu fantastique pour toi. Non, je vous en prie, laissez-moi. Eh bien, Andy, j'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi ces cicatrices derrière les oreilles? Oh, c'est juste un accident quand j'étais petit. Tu as vu ce que je t'apporte? C'est un vrai modèle de pro. Vous êtes malade? Je ne saurais jamais jouer au football. Bien sûr que tu le peux. Tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer. Oh. Allez, Andy. Attrape. C'est rien, Andy. Tu peux y arriver. Tout ce que tu as à faire, c'est de bouger les bras et les mains et ça va aller. Tous les petits garçons y arrivent. Je n'y arriverai jamais. Faut jamais dire jamais. Allez, attrape ça. Ah, mon bras, je me suis fait mal. Aide-moi. Andy, écoute-moi. Marche. Tu n'as qu'à te mettre debout et marcher. Je peux pas. T'en prie, Andy, tu ferais vraiment très plaisir à ta mère. J'ai mal au bras. Allez, Andy. Fais un effort. C'est ça. Tu y arrives. Andy, c'est ça, je sais que tu peux. Marche jusqu'à moi. Andy, allez, debout et marche jusqu'à moi. Allez. C'est idiot et vous êtes cinglé. Oui, tu peux y arriver. Allez, mets-toi debout. Allez, lève-toi. Je n'y arriverai jamais. Oui, tu peux le faire. C'est que tu refuses, c'est tout. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tiens, je ne veux plus t'entendre brailler. Elisabeth a 2 enfants de l'âge d'Andy. On vient de déménager dans une belle grande maison avec un jardin. C'est un quartier avec beaucoup d'enfants. Et il y a une école formidable avec un programme spécial pour enfants surdoués. C'est parfait pour Andy. On adorerait avoir Andy pour l'été. Il se sentirait vraiment chez lui, croyez-moi. Il s'entendrait très bien avec mes enfants. J'apprécie ton offre, Beth. C'est vrai, je t'assure. Mais je veux qu'Andy reste avec nous. Et je ne suis pas certaine... Écoute, Christine, combien de fois Andy t'a-t-il dit qu'il aimerait suivre les cours d'été en informatique de cette école? Je sais, oui. Ça débute dans 1 semaine. Et il a aussi dit qu'il aimerait passer plus de temps avec moi et ma nouvelle famille. C'est juste sur une base d'essai. Il peut toujours revenir s'il en manifeste l'envie. Laissez-lui une chance. Une chance pourquoi? Andy est très bien ici. Il est dans sa famille. Je suis sûr que vous êtes un homme bien, mais un gamin a besoin de son père. Et c'est moi son père. Je voudrais tant être avec lui. J'ai besoin de m'en rapprocher. Écoute, Steve, je ne te promets rien. Mais on va y réfléchir. Pour être honnête, en ce qui me concerne, c'est tout réfléchi. C'est un enfant très spécial pour nous. Et nous ne voulons pas nous en séparer, ne serait-ce que pour un été. Je refuse totalement que l'on brise la famille. Notre foyer est très heureux. Et vous avez déjà une famille. Si on consultait Andy, laissons-le décider. Peu importe son choix... On accepte sa décision. C'est d'accord. Je vais respecter la décision d'Andy, mais je vous prédis une déception. Andy habite avec nous. Et son foyer est ici. Tu vas me manquer, maman. Tu es absolument sûre de vouloir y aller? Oui, je veux aller à cette école spéciale, tu le sais. Je tiens à suivre le cours. Et les enfants d'Elisabeth sont gentils. Et ton père là-dedans?
Il a vraiment l'air de vouloir passer plus de temps avec moi. Et j'en suis content. Piège. Je veux seulement ton bonheur. Je pourrais te téléphoner n'importe quand. Oh, ouf. Bien sûr que tu le peux, mon chéri. On viendra te voir souvent, d'accord? D'accord. Je ne vois pas pourquoi nous avons cette discussion. On dirait que tu l'encourages à partir. J'arrive pas à y croire. Kid, je veux juste qu'il sente qu'il a le droit de faire ses propres choix. Mais la question ne se pose même pas parce que je suis sûr que tu es bien ici, n'est-ce pas? Ta maman et moi, on t'emmène pique-niquer, on va aussi faire du go-kart. Je sais que tu adores ça. Je t'aide à construire des modèles réduits et on va aller camper et pêcher cet été, on te l'a promis. Je ne veux pas aller pêcher. On fera autre chose si tu veux. Andy, on forme une équipe tous les deux. Christine, il doit choisir en toute connaissance de cause. Andy, ce n'est pas que pour quelques heures que tu seras parti. Ton père habite très loin. Tu ne pourras pas nous voir aussi souvent que tu le penses. Tu vas t'ennuyer de la maison et on va beaucoup te manquer, ta maman et moi. Kit, arrête, ça suffit. Et si jamais ton père ne te donne pas toute l'attention que moi je te donne? Et si jamais il t'entraîne dans un autre accident? Dis-moi un peu ce que tu feras. Kit, là, c'en est trop. Arrête ça tout de suite. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon père et je sais qu'il m'aime et je veux être avec lui. Ici, c'est chez toi et c'est moi qui suis ton père maintenant. C'est mon vrai père et c'est avec lui que je veux être, compris? Monsieur Grant, je suis Jennifer Ashley. C'est au sujet de votre annonce pour le cottage. Oh. Oh oui, bien sûr, je vous en prie. Appelez-moi qui? D'accord. Êtes-vous nouveau dans le coin? On est là depuis une semaine. On est au Deer View Inn, le temps de chercher une maison. Pourrait-on visiter tout de suite, croyez-vous? Oui, d'accord, le temps d'avertir mon patron. Il a l'air bien gentil, ce petit garçon. Oh, eh bien, c'est mon fils, Nicky. Dis bonjour à Kit, mon chéri. Salut. Salut, Nicky. Par ici. D'accord, merci. Je dois partir pour faire visiter mon cottage à ces charmantes personnes. Et j'imagine que tu vas tout lui montrer. Tu vois ce que je veux dire, Kit. C'est très joli. C'est exactement ce qu'on cherche. L'air pur, la paix, la tranquillité. Oh, ce parterre de fleurs est incroyable. Vous avez sûrement le pouce vert. J'utilise un engrais spécial. Oh. Pourquoi voulez-vous partir d'ici? J'ai déjà déménagé en ville. Il me reste 5 mois sur mon bail. Oh. Vous êtes seule avec votre fils? Oui, on est juste tous les deux. Mon mari est mort l'année dernière. Je suis désolée. Je ne voulais pas être indiscret. Oh, non, ce n'est rien. On ne peut pas vivre dans le passé. C'est bien vrai, ça. On peut vivre ici, maman? On peut, dit? Si oui. Cette maison est la vôtre. Voilà, nous y allons. Tout se passera très bien, c'est promis. Nous allons nous occuper. Je n'en doute pas. Oui. Sois bien sage, mon chéri. Je te téléphone dès qu'on sera arrivé. Toi et Kit, venez quand vous voulez. Oui, c'est vrai, ne jouez pas aux étrangers. Merci, on viendra dans 2 semaines. Tout le monde est prêt? Alors, on y va. En avant! Je t'aime, maman.
Je te téléphonerai tous les jours. Moi aussi. Je t'aime très fort, mon chéri. C'est parti. En avant, tout. Discutions à propos de planter un peu de gazon et quelques fleurs quand le petit Andy... Nicky nous a demandé de jouer au ballon. Ah. Oh. Voici le père Brennan de l'église Saint-Joseph. Bonjour, Jennifer Ashley. Enchanté, mon père. Très heureux. Mon fils Nicky. Salut, jeune homme. Bonjour, mon père. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais très doué pour les passes à Notre-Dame. Waouh. Vous avez joué pour Notre-Dame? Non, mon garçon. Je te montrerai des petits trucs plus tard. Je suis venu vous dire bonjour. On m'a dit que vous veniez d'emménager. Je voulais vous inviter, vous et votre fils, à la messe de dimanche. Oh, merci, comptez sur nous. Alors, Voulez-vous un peu de café? J'ai des biscuits que je viens de faire. Ça, c'est très gentil. D'accord. Il faut que je reparte travailler. Monsieur Thompson va commencer à se demander où je suis passé. Nous discuterons des plantes plus tard, d'accord? J'ai de très bonnes idées pour l'aménager. Heureux de vous avoir vu, père Brennan. Mais moi aussi, Kit. Confirme que vos deux trompes sont bouchées. Cependant, la chirurgie est possible. Il n'y a aucune garantie que vous puissiez être enceinte après l'opération. Mais ce n'est qu'une simple opération, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai peur que les chances soient contre elle parce qu'il y a... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'elle aura un bébé, oui ou non? À mon avis, c'est hors de question. Je regrette. Je comprendrais si vous vouliez consulter un autre médecin. Il y a toujours l'adoption. On s'en va. Crime Search. Steve, le dîner est prêt. USA.
T'arriveras pas à m'attraper, t'arriveras pas à m'attraper. Moi, si, je vais l'attraper. Numéro 1, le tueur de famille en série. Ainsi surnommé, ainsi, car il attire les mères célibataires avec un enfant et ensuite, sans plus d'explication, les tue de sang-froid. Andy, viens manger. Les autorités ont été très choquées lorsque l'homme s'est échappé une seconde fois de sa prison réputée comme étant une véritable forteresse. Je me trouve devant le centre d'incarcération pour psychopathes où il a brutalement assassiné un administrateur de la prison et un garde de sécurité lors de sa première évasion il y a 4 ans. Lorsqu'il s'est évadé la deuxième fois il y a 9 mois, notre homme a tué 3 gardes de sécurité. La police à travers tout le pays est à sa recherche mais n'a aucune piste. Voici la plus récente photo de notre tueur de famille en série. Si vous voyez cet homme, contactez immédiatement votre police locale. Il est considéré comme étant extrêmement dangereux. Andy, tu viens ou quoi? Une seconde, j'arrive. Le tueur a une longue liste de noms d'emprunt et une liste tout aussi longue de familles éprouvées dans son sillage. Ce qui rend cette histoire encore plus effrayante. Ici, Lorraine Sutcliffe devant le centre d'incarcération des psychopathes. De la sauce, chérie? Ah non, merci. À bon sens, ce nouveau cas à la télévision, c'est vraiment bizarre. Faut que j'ouvre un dossier. Que ferait le FBI sans toi, je me le demande. Sais-tu depuis combien de temps je n'ai pas été avec un homme? Aucune idée. Depuis la maladie du père de Nicky, presque 2 ans. Il était temps. Il vaut mieux ralentir un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, disons que si on ralentit, ce sera plus romantique. Kit Grant, tu es vraiment un homme bizarre. Je sens que je pourrais rester comme ça avec toi pour toujours. Il est tard. Je croyais que tu dormais. J'avais un travail à terminer à la serre. Pourtant, j'ai appelé et il n'y avait personne. J'ai laissé sonner. On ne répond jamais après les heures d'ouverture. J'ai pris rendez-vous avec le père Brennan. Pourquoi faire? Pour parler. Depuis qu'on est mariés, tant de choses ont changé entre nous. Et ça ne fait que 6 semaines, Kit. Je ne vois pas pourquoi on devrait en parler au père Brennan. C'est important pour moi que tu sois présent, Kit. Il veut nous entendre en confession. Petite dame a quitté à louer le cottage. Je sais bien ce qui se passe. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je suis passé devant ton ancienne baraque hier soir, en revenant du bar. Alors devine ce que j'ai vu, hein? Je ne sais pas ce que vous avez vu. En fait, j'ai vu mon camion parqué dans son entrée. Alors je me suis dit en moi-même... Mais c'est mon camion qui est parqué dans l'entrée de la petite dame, tard le soir, quand en principe il devrait être chez toi.
Et ça a éveillé ma curiosité. Alors je suis sorti de ma bagnole et j'ai été jeter un coup d'œil par la fenêtre. En fait, ça a été plus qu'un coup d'œil. Et tu devines ce que j'ai vu, ton joint. Toi, c'est toi que j'ai vu rouler sur le sol, avec elle. Pendant que ta petite femme t'attendait à la maison. Tu sautais la petite dame, tranquille, comme si de rien n'était. Monsieur, je pense à ma famille. Foutaise. Non, vous vous trompez complètement, monsieur Thompson, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous n'avez aucune idée de l'importance que ma famille a pour moi. L'importance d'un tas de merde, oui. Le silence est d'or, monsieur Thompson. Et Sir Thompson? Non, il n'est pas là, désolé. En fait, je ne crois pas qu'il revienne avant un bout de temps. Il est parti dans l'Est voir sa famille. Je suis qui, le nouveau gérant? Bien sûr, venez, je vais vous montrer tout ce qu'on a. Au revoir. Eh bien, pas le temps de respirer une minute. Et les autorités ont enfin une première piste solide au sujet du tueur de famille en série. Voici maintenant un compte-rendu des derniers développements de l'enquête. Je suis présentement dans le local où les autorités pensent que le tueur a subi une chirurgie plastique pour ensuite se débarrasser du chirurgien il y a 9 mois de cela. La victime a pu être identifiée. Il s'agit d'un chirurgien qui a déjà été arrêté dans 2 autres États pour pratique illégale de la médecine après avoir été radié de la profession. La police confirme que les empreintes trouvées sur les lieux correspondent exactement à celles du tueur en fuite. Je suis avec le pathologiste de la police, le docteur Larrison. Comment peut-on savoir si quelqu'un a subi une chirurgie plastique ? Dans la majorité des cas, il y a de petites cicatrices derrière les oreilles, à la racine des cheveux et dans les plis du visage. En général, ces cicatrices disparaissent un peu plus d'un an après l'opération. Merci, docteur. Malheureusement, le fait qu'il ait subi une chirurgie plastique rendra sa capture des plus difficiles. À nouveau, voici la plus récente photographie du tueur de famille en série. Si vous reconnaissez cet homme, contactez immédiatement votre police locale. Il est considéré comme étant extrêmement dangereux. Salut, Pa. Andy, tu devrais déjà être en train de dormir, non? Désolée, je travaille sur un nouveau cas. Ici, Lauren Sutcliffe pour l'émission Affaires criminelles. Allez, faut dormir. C'est un cas surprenant, tu sais. J'espère que tu ne feras pas de cauchemar à cause de ça. Andy, tu crois que tu pourras attendre le matin pour attraper le tueur? Papa, nous les détectives, on ne dort jamais. Je suis content que tu sois avec nous. Depuis qu'on est séparés, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, papa. Allez, faites beau rêve. Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Et à quand remonte votre dernière confession, mon fils? Quelques mois, mon père. J'ai de petites choses à confesser. Je n'ai pas déclaré un achat à mon travail avant que mon patron ne parte pour de longues vacances. Et quoi d'autre? J'ai parqué mon camion dans une zone pour handicapés. Vous n'avez commis aucun péché concernant votre vie familiale? Tout va bien dans ma famille, mon père. Dites-moi, d'où êtes-vous, mon fils? Saint-Louis. Vous n'avez jamais été marié? Bien sûr que non. Vous n'avez jamais trompé votre femme? Jamais de la vie, non. J'ai du mal à saisir le sens de vos questions, mon père. Je viens me confesser et non subir un interrogatoire. Pour votre pénitence, faites votre acte de contrition, 5 Notre Père et 5 Je vous salue, Marie. Allez en paix, mon fils. Il adore l'avion qui vient acheter.
Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été aussi heureux. Il y a bien d'autres jouets dans ce magasin. C'est un gentil petit. Keith, viens habiter chez nous. Moi, toi et Nikki, on pourrait être tellement heureux. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Jennifer. Et pourquoi, on peut savoir? Parce que ce n'est pas bien de vivre avec une femme hors du mariage. Je ferai une épouse parfaite. Je t'aime, Keith. Keith? Je suis très flattée, mais laisse-moi le temps d'y penser. Et toi, tu feras un père fantastique. Toi et Nikki, vous vous entendez si bien. C'est un petit gars super. Alors dis oui. Il faudra partir de Deerview. Oh, pourquoi? J'adore ça ici. Ici, je ne gagne pas assez pour vous soutenir, toi et Nikki. De toute façon, j'en ai marre de travailler avec Monsieur Thompson. Je veux reprendre mon travail dans l'immobilier. Est-ce que ça veut dire oui? On doit attendre, Jenny. Mais si on doit former une famille, il nous faut un nouveau départ. Il s'ennuyait de nous, il voulait revenir. Steve l'a ramené cet après-midi. Il est à la maison, Kit. On est une famille à nouveau, exactement comme tu voulais. C'est génial. C'est bien de revoir Nikki à la maison. Nikki? Qui est Nikki? Une petite minute. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis désolé. Je suis si excité de le revoir que j'ai oublié de quoi je parlais. Oui, bien sûr que c'est Andy. Je vais aller couper quelques bûches. On se fera griller quelques guimauves demain soir. J'en reviens pas. Et tu disposes aussi d'un casier juste pour toi. Comme ça, tu pourras ranger ta boîte à lunch et toutes tes affaires. Oh, tu as vu tous ces dessins sur le mur? Ce sont les plus beaux de notre classe de dessin. Tu voudrais avoir les tiens sur ce mur? Oui. Vous êtes seule pour l'élever? Oui. Et votre fils s'appelle Nicolas? Oui, mais on l'appelle Nikki. Nikki? Oui. Je reviens, excusez-moi. Oui, bien sûr. Cette école est très bien pour Nikki. Il pourra enfin jouer avec d'autres enfants. Il n'y en a pas où on habite. Vous habitez où, déjà? J'ai loué un joli cottage sur Harrisburg Road. C'est à quelques kilomètres de Deerview. Je crois que je sais où c'est. Thank you.
Andy, je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule. Regardez, le même poids, la même taille. Non, non, je ne vois aucune ressemblance. La chirurgie plastique, c'est pour ça, j'ai vu ses cicatrices derrière les oreilles. Tenez les renseignements sur lui. Écoutez, ils ont trouvé des empreintes sur les lieux du meurtre du chirurgien. Si je pouvais obtenir celle de Kate, on verra bien si j'ai raison. Andy, là, c'en est trop. Je veux que tu arrêtes ça maintenant. Père Brennan, c'est juste pour ça que je suis revenu chez moi, pour protéger ma mère, si j'ai raison. Vous avez vérifié tous les Kate Grants de Charleston et Louisville? Mm-hmm. Oui, je l'ai fait. Et ils y sont toujours. Ah, oh, génial. Vous auriez dû me le dire. Et au confessionnal, Kate m'a dit qu'il venait de Saint-Louis. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, je suppose que si je ne t'aide pas avec ça, tu vas probablement le faire tout seul. C'est exact. En fait, j'accepte de t'aider seulement pour te prouver que tu te trompes. Merci. Je ne dirai pas de même. Alors, laisse-moi regarder ça. Tu l'as invité pour le dîner, tu aurais pu me le demander. Je croyais que tu aimais le père Brennan. Pourquoi tu en fais un cas, de toute façon? J'avais peut-être d'autres plans, du genre de vous sortir Andy et toi ce soir. Pourquoi tu ne m'en as rien dit? On peut sortir demain soir, si tu y tiens. Et puis aussi, ce n'est pas moi qui l'ai invité. C'est Andy. Tu sais bien qu'ils sont bons copains. Tu connais une femme qui s'appelle Jennifer Ashley? Non. Pourquoi cette question? Elle vient d'inscrire son fils à l'école. Elle est nouvelle en ville. Je ne la connais pas. C'était un excellent dîner, comme d'habitude. Vous êtes un vrai cordon bleu, Christine. Oh, vous dites ça à tout le monde. C'est pour ça qu'on m'invite aussi souvent. Vous savez, ils ont eu la grand-mère. Ils l'ont arrêtée au Texas, c'est celle qui faisait plein de hold-up dans les banques. Tu sais, tout le monde n'est pas aussi intéressé que toi par toutes ces histoires, Andy. Mon père. Merci. Ils ont mis plus de 2 ans pour l'attraper. Andy, je ne comprends pas pourquoi tu ne t'intéresses pas aux choses de ton âge. Laisse-moi t'aider. Alors, il paraît que tu as Madame Jacob en maths cette année. Oui, elle doit bien avoir 150 ans. Et je suis sûr qu'elle ne sait pas qu'il existe des calculatrices. C'est pour ses empreintes. Oh, beaucoup de tes camarades n'en ont jamais utilisé, Andy. Un peu de dessert, mon père? Je vais exploser, mais père? Puisque vous insistez... Et Andy? Merci. C'est fantastique, Christine. J'ai mangé pour la semaine. C'est gentil à vous d'être venu, mon père. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. Merci, Kate. On se voit demain à la récré, mon père. C'est ça, à demain. Au revoir. Soyez prudents. Au revoir. Oh, j'ai presque oublié. Il fait très froid ce soir et je dois ouvrir le chauffage à la serre, sinon les plantes vont geler. Je peux venir avec toi? Eh bien, non, ça va aller. Reste plutôt avec Andy, ça ne sera pas long.
un modèle avec sac gonflable, mon père. Faudrait mieux s'attacher. C'est par là, alors je viens te dire un petit bonjour. C'est gentil de me faire un... Mais j'ai pas vraiment le temps. Tu t'es fait une blessure? Non, c'est rien. Alors, tu voulais me parler? Oui, je voulais savoir si tu t'es enfin décidé à venir habiter avec Nikki et moi. À vrai dire, Jennifer, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Tu as eu tout le temps, Key. Je dois avouer que j'ai du mal à te comprendre. Est-ce que tu me caches quelque chose? Peut-être bien qu'on devrait repenser à toute cette histoire, Jennifer. Et en ce moment, tu sais, j'ai des tas de choses à régler. Je ne prends pas le mariage à la légère. Tu dois te mettre ça dans la tête. Je n'attendrai pas plus longtemps, tu sais. Avec ou sans toi, j'ai l'intention de me bâtir une vie ici à Deerview. Non, pas ici. Non, on doit aller ailleurs. Pas dans cette ville. S'il te plaît, je ne veux plus de pression. Je te l'ai déjà dit, j'ai besoin de plus de temps. Eh bien, je suis désolée. Mais moi, je n'ai plus de temps à perdre. Ils sont très jolis, je vais les prendre. Mesdames, si je peux vous aider, dites-le-moi. Salut Andy. Qu'est-ce que tu fais? Oh rien, juste une partie de vidéo. Andy, je te demanderai d'être aussi fort qu'il est possible de l'être. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi? Le père Brennan est mort. Il a eu un terrible accident de voiture hier soir. N'est-ce pas que c'est terrible? Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé, fiston. Tu sais, je trouve que tu passes beaucoup trop de temps devant ton ordinateur, mon garçon. C'est très malsain. Pourquoi ne vas-tu pas jouer dehors avec les autres enfants de ton âge? On devrait essayer d'être de meilleurs amis. Je voudrais qu'on passe plus de temps ensemble. On devrait essayer de prendre un nouveau départ. Faisons une croix sur le passé. Qu'est-ce que t'en dis?
Tout le monde a bien dormi? Vous savez quel jour on est? Pas la plus petite idée? C'est la fête des pères. Alors, souhaitez-moi bonne fête des pères. Qui d'entre nous pourrait démêler le mystère de la vie et de la mort? Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'accueillir notre bon ami et notre pasteur, Ernest Thomas Brennan, au sein de ton royaume. Et maintenant, Andy Davis, qui était un des plus proches amis du père Brennan, voudrait dire quelques mots. Ce que je voudrais vous dire, c'est merci. Beaucoup. Mon ami, vous étiez si gentil avec moi. Vous m'amusiez, me faisiez rire. Vous étiez toujours là quand j'avais besoin de vous. Vous étiez comme un père pour moi. Vous manquerez. Je vous aime, père Brennan. Au revoir. Je vais aller marcher un peu, je ne peux supporter ça. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ça va aller? Oui. Tu vas m'attendre à l'auto, d'accord? Arrivé au pauvre père Brennan. C'est une grande perte, il était très proche de notre famille. J'en suis vraiment désolée. Je me demandais si je pouvais vous parler une minute. À propos de Nicky, il a dit qu'il adorait l'école. Oh non, ça n'a rien à voir, il ne s'agit pas de ça. C'est un peu délicat, le moment est peut-être mal choisi pour ça. Eh bien, pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi? On pourrait discuter à notre aise et j'adore avoir de la compagnie. D'accord. Je pourrais venir ce soir? Oh, mais bien sûr, Nicky sera parti à un meeting de scout, on pourra discuter en paix. Disons vers 8h30? Oh, ce sera parfait. J'habite la dernière maison sur Harlesburg Road, c'est très facile à trouver. Je sais exactement où c'est. D'accord. Alors à ce soir. D'accord. D'accord. Au revoir. Alors, qui c'était cette femme avec qui tu parlais? C'était Jennifer Ashley. Tu sais bien, elle a inscrit son fils Nicky à l'école. Ah oui? Et alors, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a invité chez elle ce soir, pour discuter. Écoute, Christine, j'ai besoin d'un peu de solitude après ces funérailles. Il faut que j'oublie un peu le père Brennan. J'ai du travail à la serre qui m'attend. De toute façon, tu dois sortir. Mais c'est dimanche qui... Je sais, mais M. Thompson va revenir bientôt et j'ai pris du retard dans mon travail. Je reviendrai m'occuper d'Andy avant que tu t'en ailles. Promis. Rentre à la maison, d'accord, chérie? Je reviens tout de suite. D'accord. Je peux reporter ma visite chez Jennifer à demain, si c'est ce que tu veux. Mais non, on mangera plus tard, quand tu rentreras à la maison. Très bien, alors je vais lui demander de faire vite. De toute façon, demain, il y a de l'école. Écoute, Andy est très perturbé par la mort du père Brennan. Tu devrais lui parler. Ne t'en fais pas. Tu peux compter sur moi, je vais m'occuper de lui. Si tu as besoin de moi, je suis à la serre. On se voit plus tard, alors. Pourquoi t'as fait ça? Qu'elle me laisse tranquille. Je veux juste bien faire les choses, rien d'autre, mais personne ne veut comprendre. Oublie le fait.
Maman? Maman, est-ce que tu m'entends? Oui, chérie. Qu'y a-t-il? Dis-moi, maman, tu ne trouves rien de bizarre au sujet de Kate? Tu veux vraiment parler de ça maintenant, chérie? Eh bien, il n'y a rien qui t'embête dans son comportement? Je te dirai ça dans un peu plus d'une heure, d'accord? Tu sais pourquoi il ne parle jamais de sa famille, de ses amis? J'en sais rien, Sherlock. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu ne lui as jamais parlé de ses cicatrices derrière les oreilles? Non, voilà une question. Pourquoi? Je t'en prie, Andy, pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, peut-être bien que Kate n'est pas celui qu'on croit. Peut-être bien qu'il est réellement quelqu'un d'autre. Oh, eh bien, avec un peu de chance, il pourrait être Kevin Costner ou Tom Cruise. Écoute-moi, je t'en prie, maman. Je parle sérieusement, j'ai vraiment peur de ce gars-là. D'accord, monsieur, j'ai peur de tout. Je veux que tu me dises exactement de quoi tu as peur. Je pense qu'il est possible qu'il te fasse du mal. Oh, Andy, c'est très sérieux ce que tu dis là, chérie. Je sais que Kate et moi, on a nos problèmes, d'accord? Mais tu ne crois pas que ton imagination est trop débordante? Je parle au physique. Oh, chérie, mais tu n'as aucune raison de penser ça, voyons. Kid n'a au grand jamais fait quoi que ce soit de ce genre-là. Jamais, tu m'entends? Allez, approche-toi, gros bête. T'a-t-il déjà fait du mal, chérie? T'a-t-il déjà fait quelque chose? Non, il ne m'a rien fait. Oh, Dieu soit loué. Allô? Christy, je suis contente que vous ne soyez pas encore partie. C'est Jennifer. Bonsoir, Jennifer. Bien sûr, je n'y vois aucun inconvénient. Mon petit ami vient de m'appeler et il m'a parlé d'une urgence. Votre petit ami? Oui, il faut que j'aille le voir tout de suite, je suis vraiment désolée. Ça va aller, je comprends. Eh bien, à demain. Merci, excusez-moi encore. Kate? De ses peurs. Pourquoi? Pourquoi il fait si noir ici? Et pourquoi tu voulais que je vienne à cette heure? Salut, chérie. Je suis heureux que tu aies pu venir. Je t'ai appelé à la dernière minute. C'est parce que tu m'as parlé d'une urgence au téléphone. Et il y en a une. J'ai une réponse et je voulais te la donner tout de suite. Quelle réponse? Oh, c'est à propos de vivre ensemble. J'ai peur que ce soit non. Tu vois, je dois protéger ma famille. Et je ne peux plus te laisser continuer à la mettre en danger. Mais quelle famille? Enfin, de quoi est-ce que tu parles? J'ai une merveilleuse famille. Un gentil petit garçon et une merveilleuse épouse. Et toi, tu es de trop, ma vieille. Tu n'es qu'un sale fils de pute. Tu m'as menti. Fâché contre moi, Jennifer. Reste donc, chérie, tu viens juste d'arriver.
va régler cette histoire une fois pour toutes. Je reviens tout de suite. Maman, tu ne dois pas y aller. Andy, je ne veux plus entendre ce genre de sottises, d'accord? Mais tu ne bouges pas d'ici, compris? Bonne surprise. Oh, ce que tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais aller voir Jennifer. Justement, je m'y rendais, mais j'ai cru bon de passer. Alors, tu es tout seul? Juste moi et Mificus. C'est à qui la voiture dehors? J'ignorais qu'il y avait une voiture dehors. Où est-elle, Keith? Tu sais que cette voiture est à Jennifer. Christine, jamais je ne ferai quoi que ce soit qui mette ma famille en danger. Tout est sous contrôle. Fais-moi confiance. Tu es ma femme et je t'aime. Alors, s'il te plaît, rentre. Moi, je n'en ai pas pour longtemps ici. Je t'ai demandé où est Jennifer. Il a fallu que tu viennes compliquer les choses. Oh, mon Dieu. Je t'ai dit que je contrôlais la situation, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici, les bons sangs? Mais
bien, mesdames. Vous avez une bonne discussion. C'est la soirée des dames.
va bien? Oui, je vais très bien, Andy. Laisse-moi t'aider, mon chéri. Non, non, c'est plus la peine. Je sais marcher. Vous savez comme je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi, maman. Des pères, salaud.